My name is Ayman, I'm from Iraq. My name is Govan, I am from Iraq. My name is Kaveh Marahemi and I come from Iran. My name is Divine, Marie Divine, I'm from Rwanda. My name is Pierrot and I'm also known as P2, a rapper, from Burundi. My name is Axio and I'm come from Brazil. YouCreate, c'est un projet européen qu'on mène avec trois partenaires, du coup, en Hongrie, en Italie et au Portugal. Et tous les quatre, on fait simultanément, mais chacun dans notre pays, un programme d'inclusion par l'art. Chacun a une discipline artistique différente. Nous, ici, avec la Fondation, c'est la musique. Et ce programme, donc, c'est pour l'inclusion sociale de personnes primo-arrivants et réfugiées en Europe par l'art. La création artistique est importante parce que c'est le moyen pour y arriver et on espère arriver à quelque chose de fantastique ici et d'unique et original. Mais c'est vraiment le but, c'est d'avoir le ressenti des participants, d'avoir une suite aussi après. C'est pas seulement sur une semaine et puis au revoir. C'est important que ce soit durable la relation qu'on noue avec eux. Je peux m'arrêter. I can make myself very, very, very big. Le but de ces ateliers, c'est de connecter des gens qui sont de cultures totalement différentes, qui sont de disciplines artistiques éventuellement totalement différentes, sans passer par le biais du langage. Pour nous, le langage, c'est un échange d'informations, peut-être ça représente 5% de la communication entre les humains. Et je pense qu'il est tout à fait possible de connecter les gens par l'art d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus subtile pour pouvoir développer des valeurs chères à Yehudi Menuhin, qui étaient la tolérance, le respect de l'autre, notamment la confiance aussi. Vu le contexte social ou géopolitique, nous aurons beaucoup de questions à résoudre avec les migrants, les gens qui vont arriver pour 36 raisons chez nous. Il va falloir vivre en bonne intelligence avec eux. Et l'art et la communication par l'art semblent pour nous être la voie royale pour pouvoir vivre ensemble et que tout le monde fonctionne en bonne intelligence. En fait, on crée une sorte de microcosme. On met dans un lieu plus ou moins clos X personnes, 7, 8, 10, 15 personnes de cultures différentes, de langues différentes. Il n'y a souvent pas de langue commune. Et on essaie de créer une micro-société qui fonctionne. Et quand on utilise l'outil de l'art et de la musique, ça fonctionne extraordinairement bien. Donc après une semaine, on a l'impression qu'on a révolutionné le monde. Mais là, on est dans un microcosme. Alors le gros travail, ça va être chaque fois de transposer dans le macrocosme, dans le monde réel, ce que nous avons réalisé. Ce qu'on considère, c'est que nous sommes des passeurs et qu'on ouvre des portes. Donc chez chacun, on va aller chercher la source de la créativité, la source de l'humanité ou de la fraternité, et on va essayer de l'ouvrir et d'entrouvrir. Peut-être qu'elle est déjà ouverte ou entrouverte, mais on va essayer de mettre ça en pratique pour que ça fonctionne avec tout le monde. Donc, que tout le monde soit connecté et tout le monde ait l'impression qu'il y ait cette fraternité qui naisse. Chacune de ces résidences est nouvelle, et ici, c'est un public très particulier, parce que nous travaillons avec des demandeurs d'asile et qui ont, de ce que je sais, un parcours assez chaotique et assez, parfois assez dramatique. Et je pense que l'atelier dans lequel ils sont impliqués, ça va beaucoup les aider à s'ouvrir et aussi à se connecter, parce qu'eux-mêmes doivent faire le travail de se connecter à la population qui est autour d'eux, ce qui n'est pas facile. بالرايه يعني يكون دائما يكون منظمات
أشياء مثل هذا الشيء يتغير جو يشوف الدنيا يشوف أشخاص جديدين يشوف الحياة جديدة يعرف الآلات الموسيقية يعرف الأستاذات مال الموسيقية يعرف يشوف أشخاص جديدة. We made some physical activities, some group activities, and now music. I'm enjoying it a lot. Living in a center can, or like in asylum, can be a bit like difficult sometimes. I got to enjoy this beautiful city with these beautiful people and do so many activities and find so many new friends. And it's really beautiful, if I want to say, yeah. I'm recording since the age of 14 and now I'm 24, so it's been 10 years of only recording. I'm more into rap music, hip-hop music, but I try to divert myself a little bit, to go on different genres of music. Like for me, it brings me calmness. It brings me also inspiration. To be surrounded by nature is actually better than being surrounded by buildings where they just control your thoughts and everything. I feel like here I'm more free. So when I came here, I was just expecting that we would sit and learn about music or something like that. Like it would be more like you do this and this, and like music doesn't have a recipe, so of course it wouldn't be like that. And this is way better because this is just being free. I like that we're being creative. I like that we have this space where we can do basically whatever we want because we can just create.